Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais préparer une petite recette de pâtes à la crème et au roquefort. Alors, donc j'ai mes petites pâtes, j'ai bien évidemment de la crème, un petit peu de lait, du sel, du poivre et du roquefort. Vous verrez, c'est une recette super simple et franchement ça, c'est trop bon. Allez, on va commencer. Donc là, j'ai mis de l'eau à bouillir. Je vais faire cuire mes pâtes et pendant qu'elles cuisent, on va s'occuper de la crème. On va commencer par mettre un petit peu de lait. Voilà, on met à feu moyen. On ajoute également la petite crème liquide. On va laisser chauffer un petit peu. On ajoute du sel et du poivre. Donc pas trop de sel. Ah, on a Zara qui éternue. Pas trop de sel parce que le roquefort est bien salé. Voilà, on mélange un petit peu. On va laisser chauffer un petit peu. Ensuite, on ajoute le roquefort. Les pâtes sont en train de cuire. On va les laisser cuire 10 minutes. Tranquillement. Alors là, je vais ouvrir mon petit roquefort. On va commencer à le couper comme ça, en petits cubes. Des tout petits cubes comme ça. Hop là. Hop, hop. Une fois que ça commence un petit peu à fumer comme ça, on ajoute à peu près la moitié de la petite barquette de roquefort. Voilà, je pense que ça va suffire pour cette quantité de crème. Et on va continuer à mélanger et laisser chauffer encore un peu. Bon, bah du coup, je peux mettre la barquette entière pour bien épaissir la sauce, ça suffit. Je pensais mettre que la moitié, mais au final, je vois que on peut bien la mettre entière. Regardez, ça commence à s'épaissir. On va laisser fondre encore la deuxième partie du fromage. Voilà, on porte à ébullition et on laisse la crème s'épaissir. Vous voyez que ça commence à monter comme ça un petit peu la crème. Là, vous pouvez éteindre le feu. C'est que ça a bien épaissi. Les pâtes, donc je les ai disposées dans un plat et maintenant on va venir mettre notre superbe crème délicieuse par-dessus. Et voilà, et là on peut déguster nos pâtes, ça a l'air trop bon.